Bonjour à tous et bienvenue sur Crise Sociale Simulator. Alors aujourd'hui, on va voir comment se faire 4 centimes en vendant 2 tonnes de maïs au gouvernement. C'est parti! Ramasser des plantes n'a jamais été aussi facile. Ouais, tu m'étonnes, mec. Je sais même pas, c'est censé être quoi comme comme céréales ce truc, mais je sais pas, on dirait des petits arbres quoi. Et mec, tu pousses ou ça se passe comment là? Alors tout de suite en direct, la pousse. Non mais. Mais ne me dis pas qu'il y a des graines là qui ont pas poussé, hein? Mais. C'est de l'arnaque. Oh, ça pousse tout seul. C'est magique le truc. Hein. Plante magique simulator. Si c'est un simulateur de paysannerie là, pourquoi je peux pas aller vendre mes gamins? Pourquoi je peux pas aller. Je sais pas moi. Est-ce qu'on peut me monter sur le puits? Ah bah oui. Alors, je suis le roi du puits, hein, il faut le savoir. Mais c'est quoi cet arrosoir là? Alors, c'est quand même étonnant qu'avec un tout petit arrosoir comme ça, on peut faire la moitié d'un champ. Hein, mais voilà. Ou alors, c'est des plantes, mais qui ont besoin de deux gouttes d'eau à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. What? Mais c'est quoi qu'il a dans son truc là? What the fuck, c'est quoi ça? Des étoiles filantes? Mais ne me dites pas que c'est pas vrai. Je pensais que c'était dans l'espace, tout ça. C'est quoi ça? Ah, c'est des petites abeilles. D'accord, donc les abeilles en fait elles vont mais elles butinent que trois fleurs dans le champ quoi. Ici, là et là-bas. Ah d'accord, il a acheté une baraque et tout, tranquille. C'est quoi ça? Genre en fait tu deviens cuisinier quoi. Mais qui c'est qui a peint les murs de la maison en noir? Tu te croirais dans une grotte quoi, merci. Qu'est-ce que c'est que cette exploitation d'abeilles là? Tu n'as pas honte? Genre le mec en fait il s'est mis des réverbères privés dans son truc, hein, tout va bien. Ah ouais, ce sont des réverbères qui n'existent pas en fait. Ah ouais, un truc qui vient de l'intérieur d'une bestiole. Hein. C'est. Tout de suite, ça donne faim, hein, c'est sûr. Ah ouais, je me fais une petite balade en vache. Cool. Alors, le véhicule du futur, hein, le mec qui est dans son champ là-bas, il se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait chez moi, ce mec, à se trimballer sur mes vaches? Ouais, mais moi-même, j'avoue que j'en ai aucune idée, hein, je suis là parce que je sais pas. On peut pas aller sur le toit? Ah, évidemment, hein. Alors, tout de suite, en direct, une autre tentative de suicide, hein. Ah, on voit tout d'ici, c'est cool. Geronimo! Mais je renais. Oh, magnifique. Oh, petit cœur à côté du chien. C'est magnifique. Ouais, super. Alors, sur ce. Mais en fait, le mec, il s'est fait un champ de fleurs. Non, mais attends, tu sais pas que les céréales, ça se vend plus cher, mec. Ça ne sert à rien. On peut rien faire avec ça. Genre, tu peux acheter des trucs aux gens, quoi. Merci. Ah, alors, est-ce qu'on peut avoir une autre ferme, quand même? C'est the question. Ah non. Genre, je ne peux pas passer. Non, mais attends. Le panneau est plus solide que tout à l'heure, mais on peut rentrer quand même. Alors tout de suite, nous allons vendre notre récolte. Hein. Alors ça va encore nous rapporter 2,50€, hein, ça va être super. Hein. Le début de la richesse. Hein. Le début de la richesse ou la fin de la pauvreté. Où est-ce qu'on vend ça? On va même essayer d'acheter de nouvelles graines ou un truc, ça peut être bien. Oh, j'ai 40$. Hey, mais le mini-mec là, il est revenu. C'est quoi ce type là? On peut acheter des patates. Alors on va acheter plein de patates. On va aller les planter. Alors on n'a plus d'argent, mais les patates, à mon avis, elles se vendent plus cher. Donc, faire la thune, je suis où moi? Je suis pas là-bas. Le mec qui se perd en fait dans son propre village. En parlant de ça, en fait, c'est un village mais que de fermiers quoi. C'est, je sais pas. Mais je suis où moi? Mais, obligé de faire 4 fois le tour du proprio pour trouver ta ferme, hein. C'est vraiment chouette. Je sais pas, il peut peut-être mettre un panneau, une indication, un truc. Ou je sais pas, intégrer un GPS. C'est chez moi? Ah ouais, j'avais pas fini de ramasser. Ouais, salut voisin! Comment ça va? On va donc planter ce dont on se sert pour faire des frites, hein, c'est-à-dire le meilleur cucurbitacé du monde. Hein. On va planter des patates. Alors j'en ai 40, hein, donc ça devrait quand même faire un bout de chemin. Hein. Ah oui, mais j'en ai plein. Ok, alors j'en avais plein, hein, mais maintenant j'en ai plus. Ça fait plaisir. Wow, les patates qui poussent en 10 secondes. C'est beau la technologie. En fait, ce sont des plantes. Mais elles sont pas vraiment végétales quoi, elles sont un peu robotiques, du coup voilà. Des plantes bioniques. Mais au moins, est-ce que les plantes étaient consentantes pour devenir à moitié robot? Alors ça, hein, à chaque fois il faut cliquer. Mais ça c'est un peu dommage hein, que c'est du coup un peu plus long pour arroser que pour planter ou couper, hein, parce qu'il faut pas laisser appuyer, là à chaque fois il faut cliquer 12 fois de suite quoi. Mais on peut quand même arroser de l'autre côté du champ, encore une fois, avec notre lance à incendie géante. Une technique simple quand on n'a plus d'eau, hein. Ce que je vais essayer maintenant, il suffit de cracher dessus, je pense que ça va. Non mais... Mais c'est quoi ces crachats inutiles? Rendez-les-moi alors, j'en ai besoin. Après cette expérience dramatique, hein, je pense qu'on va aller continuer de mettre de l'eau. Eh, en fait, les patates, elles poussent beaucoup moins vite, non? Ou alors là, elles sont prêtes. Genre, les plantes, elles sont encore plus cubiques que dans Minecraft, quoi. Poussez, bonne plante!
Ouais, c'est bon, on va dire que c'est bien. Alors du coup, est-ce qu'on peut les ramasser, là, les pommes de terre? Ou pas? Mais non, en fait, ils m'ont remis des graines, je crois. Ah non, ah non! Voilà, j'ai ramassé des patates. Des patates, est-ce qu'on peut les manger au moins? Bah non, bien sûr, hein. Mais on récupère aussi des graines, en fait. Ah d'accord! On récupère aussi des graines une fois qu'on en a acheté. Ça, honnêtement, je trouve ça très bien fait. Ça, c'est bien fait, parce que c'est vrai que dans la réalité, aujourd'hui, les industriels font en sorte que les plantes, hein, les graines qu'elles produisent, ne fonctionnent pas. Pour que les agriculteurs en rachètent, hein, à la société des graines. Mais c'est pas grave. Alors, on va aller les vendre, hein, pour voir la thune que ça fait. Oh, et la lumière fut. Non, mais attendez, en 1523, là, ils avaient déjà les réverbères électriques. Voilà, ou je sais pas, ou alors ils ont mis des lucioles dedans. Alors ça s'appelle gâcher de l'eau, les gars. Ah, super, je prends ma douche. Comme il pleut jamais, du coup, hein, c'est. Yo, mes carcans-ciel, là. Vendre. Eh, mais les patates, en fait, elles rapportent pas beaucoup d'argent. Ça rapporte sa masse. Oh, genre, je me suis fait arnaquer, quoi. Alors, le saviez-vous, hein, les pommes de terre sont le pire investissement que vous pouvez faire, hein, c'est sûr. C'est quoi, ça? The weather. Donc, ça, en fait, c'est un. Donc, pour 100 Robux, on peut avoir un jour de pluie. Pour tout le monde. Eh, mais qu'est-ce que je vous avais dit? Voilà, le gouvernement a trouvé moyen de contrôler la météo et ils font payer aux gens. Voilà, c'est pas beau ça. Bon, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il n'aura pas été trop pourri, hein. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, même deux, même trois, même tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Voilà, sur ce, à plus, salut, bye, on se retrouve bientôt. À plus.